croiras peut-être pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a à faire, ouais, là. Apparemment, tout est prêt. Ouais. Et qui a tout connecté au volant? On avance jusqu'à la porte principale, on saute, et adieu la milice. Ok, bon, t'es sûr de vouloir faire ça? Parce que ça fait quand même une sacrée route avec un seul bras. Trop duc. Écoute, Boozer, on sait tous les deux que c'est peut-être qu'un aller simple. Ouais. Je conduirai pas au retour comme ça. Un peu que c'est ce que je veux. Oh, et une dernière chose. Il n'y a pas 36 motards qui risqueraient un coup aussi dingue. Juste nous deux? Ouais. On y va ou pas? Et comment? On dirait que Ricky est vieux finalement. Quoi de neuf, Dick? Jolie veste, ça te va très bien? Ricky, allez. Je vous remercie, mais... Boozer et moi, on a quelques trucs à régler. Les nouvelles vont vite. Ton petit discours en a inspiré plus d'un, Dick. Je te l'ai dit, tu arriveras pas tout seul. C'est dingue. T'en fais pas. Ils le font pas pour toi, ils le font pour lui. Ok, écoutez, c'est pas compliqué. Boozer et moi, on va attaquer la porte nord et la faire exploser. Tous se poster à la porte sud, vous remontez. Tout ce qui vous reste à faire, c'est suivre Ricky. Ok, on est prêts? Et vous deux, vous êtes prêts? Écoute, je t'appelle dès qu'on frappe le pont. Faites rien avant mon signal. Entendu. Ok, c'est parti! Et pourquoi t'as pas sorti l'ennemi?
J'aurais dû sauter. Boozer. Oh putain de merde, Boozer. Oh, c'est pas vrai. Je me suis fait une balle. Aidez-moi. Ah, je vais tous vous buter. Tous jusqu'au dernier. Oh, t'as une merde. Ça, il faut que je retrouve ça. Tiens bon, Sarah. Oh, j'y suis presque. Un gros bras, un bordel de merde. C'est pas ça qui va m'arrêter. C'est enfoiré. C'est fermé! Vite, remontez au niveau supérieur, allez! Quoi? En avant! Allez! Remontez et commencez à poser les charges! Oh. Bougez-vous, putain, allez! Vous avez compris? Alors go! Allez! Oh, Schizo! Cette pourriture de Schizo! J'arrive, Schizo! Ok, on va employer la manière forte! Le sommet! Il faut que je réussisse à atteindre le sommet! Arrête de camper! Il faut que j'arrive à contourner toute cette bande! Sniper, il doit être sur le tour. Oh, il faut que je trouve le moyen de m'en débarrasser. Tourne ces types. Patrick,
Allez, continue. Ricky, tu m'entends ? Dick ! On les a eus ! On les a eus ! Dick ! Dick ! Ricky ! Ricky ! Botte-leur le cul, Ricky. Fais-moi cramer tout ça. Tu veux que je nous fasse sauter ? Putain, t'entends ça ? Grouille-toi ! Voilà, c'est prêt. Ok, il y en a combien ? Assez. On va voir le colonel, viens ! Capitaine Zarkowski, vous me recevez ? Non. Combien vous avez posé d'explosifs ? Capitaine, on n'a pas eu le temps de tous les poser. En voilà. Ah ! Hé, merde ! Combien, là ? Il faut que je le désamorce. Voilà. Trois, chef. Ok. Je descends voir River, récupérer le détonateur. Surveillez l'entrée de la grande tombée. Laissez passer personne. Attends-moi. Compris. Personne n'entrera. Et arrêtez d'utiliser ce putain de canal. Il est peut-être tombé.
désolé, mais tu feras rien exploser aujourd'hui, Schizo. Où tu te caches, hein? Va te faire foutre, je resterai pas coincé ici. Weaver, tu sais qu'on fait que suivre les ordres, ça marche comme ça. Il est où, putain? Weaver, où est ce putain de détonateur? Donne-le-moi. Je vois pas de ta Schizo, je te conseille de le libérer. Pas de putain. Oui, espèce d'enf... Hey! Weaver, tirez-vous en vitesse! Allez, dépêchez-vous! J'ai du monde qui sort de la porte nord, allez-y! Putain, mais tu l'as jamais l'affaire, enfoiré! J'ai su ce que t'avais fait, Dick! J'ai su ce que t'as fait à tous ces Reapers! Ouais! Que tu les avais noyés comme une putain de portée de rat! T'as franchement rendu service au monde! Mais je parie qu'Iron Mike l'a pas vu de cet œil, hein? Je veux que tu saches. Je voulais pas le buter, viens. Vraiment pas, Dick, ok? Mais il m'a pas laissé le choix! J'ai essayé de te raisonner! Mais putain! Weaver, tirez-vous en vitesse! Allez, dépêchez-vous! J'ai du monde qui sort de la porte nord, allez-y! Allez! Ah, ok. Putain, tu n'as jamais l'affaire, enfoiré! J'ai su ce que t'avais fait, Dick! J'ai su ce que t'as fait à tous ces Reapers! Ouais! Que tu les avais noyés comme une putain de portée de rat! Franchement, on est sérieux! Je parie qu'Iron Mike l'a pas vu de cet œil, hein? Je veux que tu saches. Je voulais pas le buter, viens. Vraiment pas dissonné. Mais il m'a pas laissé le choix. J'ai essayé de te raisonner. Mais putain, il voulait rien entendre. Tu vois? Il voulait rien entendre, rien! Tu dois avoir sacrément envie de me tuer, hein? Pas vrai? Pour me suivre jusque-là. T'es revenu pour elle. Hein? C'est ça? Ah! T'es revenu pour ta nana? Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Deacon St. John. Quand Corey t'a fait sortir, le colonel était pas super joyeux. Oh non. Alors il a brisé ta gonzesse comme un putain d'œuf. Crac! Comme un œuf!
Kizo, ça finit aujourd'hui. Pourriture. Ah, je vais te buter de mes propres mains, t'as compris? J'aurais traîné ton cul jusque dans le No Man's Land. Et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais... je vais pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'écharperait. Morceau par morceau. Mais contrairement à moi, il s'y prendrait aucun plaisir. Je sais ce qui se passe là dehors. Là dehors, à l'extérieur de l'arche. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, on est en sécurité. Rien ne peut nous atteindre ici. Vous m'entendez? C'est Dieu qui a inspiré cet endroit. C'est une terre consacrée. On est en sécurité tant qu'on est à l'intérieur. On est en sécurité dans cet endroit. J'ignore quand et pourquoi, mais j'ai eu une vision. Il y a un mois, peut-être. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, et je sais que nombre d'entre vous ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si nous pouvions... Deacon ? Donnez-moi votre arme. Assis. Relâchez-les, colonel. C'est terminé, votre milice est battue. Voulez-vous un thé ? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé au Drifter? L'Arche était... notre unique espoir. Vous en êtes conscient, bien sûr. Une fois le monde purifié, elle était la seule chose qui nous aurait permis de reconstruire. Tout était là, à l'abri, sauvé par la grâce de Dieu. Cela étant dit, nous n'avions pas réussi à trouver de pianiste, n'est-ce pas? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant tous nos efforts. Non, colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré votre maudite guerre sainte, vous savez, à choisir, colonel, entre vous et les mutants,
Tu choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins, c'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas de femmes désarmées. Non ! Tu peux installer une tente pour trier les blessés? Hey, il y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales. Rassemble quelques hommes et vas-y. Toi et toi, avec moi. Ricky! Adi! Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux vous aider. Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été... tués ou blessés par l'explosion se sont rendus. Oui, Boozer ? Ricky ! J'ai besoin d'un coup de main ! La porte nord ! La porte sud ! Allez ! Ricky ! Je vois plus rien ! Ouais ! Je vous en prie, Pitié ! Je saigne ! Au secours ! Pitié ! Qu'est-ce que je peux faire ? Hey ! J'espère que tu m'en as gardé un peu ! Boozer ? Désolé du retard. Non. Ouais. Non. J'ai sauté, moi aussi. Non, mais j'ai... Juste avant d'arriver à la fin du pont. Mais ouais. J'ai vu le camion. J'ai senti le souffle de l'explosion. Alors que j'étais sous l'eau, c'était une sacrée virée. Quoi ? Tu croyais quand même pas que j'allais me faire sauter ? Et qui t'aurait cassé les couilles ? Moi. Hé hé hey, oh. Salut. Petite sœur. Ouais, longue histoire. Alors, j'ai entendu dire que quelqu'un te cherchait. Ouais. Il avait que ce mot-là à la bouche. Ouais, enfin, l'écoute pas trop. C'était surtout son idée, en fait. Et qui a dit ? Laquelle d'entre vous me sort de ce trou, hein ? À vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire. Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les plombs. Le deuxième à me dire ça. Qui d'autre ? Coury ? Vous savez quoi ? Je l'emmerde. Hey. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hé, hey. Vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Frérot, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, moi, il y a truc à faire. Bon, entre l'heure, vieux frère. Ouais, c'est parti. Jack serait fier. On a réussi. On a réussi. Bien. Tu vois, ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus un genre de feu de joie qu'un cierge, mais... Pas faux. Ouais. C'est
C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Oh, merde. Arrête avec ça. Pourquoi ils arrêtent tous de parler, là? Bon, bah, ils t'attendent. Merde. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. C'est ça, ouais. Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas. Mais... vous avez accompli quelque chose aujourd'hui. Tous ensemble. On s'est unis pour combattre. Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Parce que c'était la bonne chose à faire, et vous savez quoi? On a gagné! Je vous ai vu galérer. Reconstruire. Je vous ai vu combattre pour sauver des vies, pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vu sacrifier tout ce que vous aviez, tout ce que vous étiez, pour apaiser cet enfer. Et... c'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir d'avoir une vie meilleure, ou un avenir qui vaille le coup, alors pourquoi se battre? Vous savez, Iron Mike, il m'a dit un jour que nous façonnions le monde tel qu'il est par nos actions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous voyez ça? C'est le tout premier pas. Je croyais que tu ferais pas de discours. Ouais, j'ai merdé. Alors, c'était comment? Disons que c'était pas mal. Pour un motard hors la loi. Un motard hors la loi. T'es prête à prendre la route, ma jolie? Je sais pas, ça dépend. Où est-ce qu'on va? Partout où on voudra. Waiting for me when
Can I get to my grave? 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't.